Oh la vache! Ah dommage, c'était un ours qui me tendait la main. Ah j'aurais dépassé la moitié du défi, ça aurait été vraiment excellent. Ah putain, je me retrouve ici du coup. Ma relique, elle était où? Elle est juste un petit peu derrière. Ok, donc on est reparti en espérant trouver sur la route de quoi me faire une petite plante, une petite seringue de super plongée. Donc là, je vois pas de feuilles vertes. Des feuilles vertes. Mon ours était par là. En voilà. Putain, il court vite, hein. Regardez, il est déjà là-haut. Ah, je te touche cocu. Ah là, je t'ai eu là. Merci les gars, mais c'est bon. Je m'en tire très bien tout seul. Pour ce coup-ci, c'est bon. Ça, c'est pas de la feuille verte, ça. Putain, y'en a pas, putain de merde. Donc on est à 3 ours, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On tente une sauvegarde. Et on tente de plonger là-dedans ou quoi? Alors, je suis obligé d'aller reprendre de l'air. Les fers bleus, on s'en fout. Finalement, je stressais pour rien. Il peut pas grimper. Voilà. Voilà qui est bien fait. Donc la petite course là, Smugger Highway. Allez hop, c'est parti. On a 300 mètres, 300 mètres. Suivre ça là-bas. Y'a pas un ours là-bas? Non, c'est mon imagination, je vois des ours partout. Un petit teddy bear. Ah, y'en a un autre! Ah, y'en a un autre!
Qu'est-ce que vous en pensez? On va le chercher. Allez, on va le chercher. Je rêve où ils viennent de l'écraser là. Oh, ils l'ont buté impunément comme ça. Ah, ils m'ont mangé ma proie. Bon, bah, c'est tout. Changement de plan. Ça, c'est un ours. Allez, hop. On passe à 4. Garde dans ta tête, tiens. New head. Non, putain, non, les gars. Ah, vous chiez dans la colle, putain. Putain de sa mère. Ah ouais. Voilà. Vous pouvez pas le laisser tranquille, ce putain d'ours. Ah, que celui-là, je ne le compte pas, les amis. Je considère qu'ils l'ont trop allumé. J'espère que j'aurai pas de problème avec les autochtones. J'aurais pu passer à 4 tours et peut-être finir le défi en une session, ce qui aurait été bien. J'ai pas beaucoup rencontré de tigres. Tu me proposes une course à quoi ? Ouais, mais y a pas de véhicule. La voiture qui est là-bas, peut-être. Ça, je peux le faire. Choisir une mise. Allez, hop, expert, direct. De toute façon, si on y arrive, c'est bien. Si on n'y arrive pas, on perd de l'argent. C'est tout. Allez hop, c'est parti. C'est pas cool les gars là. Oh, je suis en train de faire une course là, j'ai pas le temps moi. En plus la route est étroite hein. Faudrait que j'ai le temps de m'arrêter pour vous laisser passer ou quoi. J'ai 25 points de passage. M'occupe de vous après les petits gars, vous inquiétez pas. Putain, je les avais pas vus ceux-là. Désolé. Putain, 4 secondes, putain. Oh là là, j'étais devant. Voilà là. Bon, ouais, c'est tout. C'est tout. On peut considérer que j'ai perdu tout simplement parce que j'ai rentré dans le cul des autres. Et voilà quoi. Bon, c'est tout. Le bout des courses pour moi n'est pas de les réussir, mais juste de les tester de temps en temps. Je réussis, c'est bien, je ne réussis pas, tant pis. Là, on aura une petite course sur la flotte, on va se la faire aussi. Je vais prendre ça. Si je tombe sur des pirates comme ça, je les allume. Ah, pourtant, j'avais peut-être fait le meilleur, la meilleure conduite... que j'avais eu jusqu'à présent. C'est peut-être sur cette course hein. Allez, je passe dans la jungle. Est-ce qu'il y a une
qu'il y a un requin là? Non, on peut y aller. Ouh, plein de feuilles vertes. On va en profiter. Tac. Tac. Ah, je me remplis. Ah putain, je vois une relique là qui me tend les bras. Allez, avant de faire cette course là, on va essayer de se la prendre. Pas un endroit pour monter là. Putain, c'est un caillou le truc. Tour de Rook Point. Ok, ok. Putain, je le crois pas. On peut pas y aller. Il faut y aller en volant, quoi. Et il est où ce truc là? Sur ma carte, ah ouais, au plein milieu comme ça, quoi. Il se retrouve sur une montagne, au milieu de ça. Tu sais tenir un volant? Ça a l'air amusant. Tiens, je prends ta course. J'ai plein de pognon, allez hop. Oh le con. Oh non, j'ai bloqué mon truc. Oh, je perds trop de temps. Plutôt que faire ça, je préfère recommencer. Ça sera beaucoup mieux. C'est pour vous épargner une partie qui servira à rien. Donc désolé pour le temps de chargement. Peut-être que j'ai perdu le pognon, mais j'en ai rien à foutre. Tu aimes les défis? Allez, donne-moi ma ça, course. Je peux le faire. Jason, tu peux le faire, tu peux le faire. T'as fait de la merde, hein. Pas trop parce que j'essaie d'être concentré pour voir. Oh putain! Il l'a pris ou quoi? Mais non! Oh la vache! Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis perdu dans les portes et tout. En plus là j'ai de la fumée qui sort du truc, ça gêne ma vision. Oh putain, elle est tellement intéressante que j'ai envie de la refaire. En essayant d'être plus concentré, de faire quelque chose de mieux. Après, faut dire, il ferait jour aussi, ça serait cool. Chaque fois, je me retrouve toujours sur une course de nuit, quoi.
pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Un peu à l'image des Jeux Olympiques quand ils font du canoë. Celui-là, je me fais tout le temps baisser. Putain, je le fais fumer, moi, le truc. Il me reste quoi, 3 portes, 6 portes. Ça passera pas. Ah, c'est tout, bon tant pis. Tant pis, c'était une bonne partie de plaisir. Je vais pas y passer 3 heures. C'était histoire de diversifier un petit peu le gameplay. Après avoir fait ça, comme promis, la suite du scénario. Allez, pousse-toi. Et comme j'ai pas gagné ta course, je peux te tuer toi. Tenter ta chance. Ah, j'ai plus de balles. Ouais, c'est tout, on va. Hey, tiens, on peut te cramer. Eh, hey, grenade, c'est pas G. Je me rappelle plus c'est quoi la touche des grenades. Ok, quoi. Ah, je regarderai ça hors caméra, je vais pas vous faire chier avec les menus et tout. Il semblait que c'était G. Tant pis. On peut pas rentrer là. Mais merde, si vous saviez où je devais aller, vous auriez pu me le dire, non? Jason. Oui, il est énervé, Jason. C'est pas moi le héros de la fable, c'est toi. Je suis qu'un spectateur là-dedans. Mais j'aimerais que ça vaille le coup, hein? Laissez-moi passer. Non. T'as besoin d'un cours d'histoire avant. Avec son tatouage de Bambi, il me fait délirer, lui. Oui, alors écoute, j'aimerais... Jamais je me fais tatouer comme ça un truc sur la poitrine. Ce monumental hommage à l'ironie. Ces foutus Japs, ils ont formé une super unité de... Enfin, qui est vouée à la recherche de trésors servant à financer leur empire. Mais ces arriérés ont construit cette saloperie carrément au-dessus de ce qu'ils recherchaient au départ. Tu brûles de me demander qu'est-ce qu'ils cherchaient, Buck? Non. Je devrais t'en flanquer une. Non, sans déconner, mais tu sais quoi, j'ai mieux. C'est Kiss qui va trinquer. Il recherchait cette connerie de Chao Yang. Un navire qui aurait appartenu à un célèbre général chinois du nom de Zhang He. Mais le petit Rafio, il s'est envolé, disparu, avec tous ses trésors, incluant, oui, mon foutu canif. Allez. Ah oui, c'est vrai qu'il veut un couteau. À toi. La leçon est terminée. J'avais oublié. Donc voilà, à mon avis, la relique, je l'aurai en même temps que j'irai chercher mon couteau. Je vais le massacrer, cet enfoiré. Ah bah vas-y, te gêne pas, vas-y. Rien ne te retient. Nous voilà un petit peu en environnement. En intérieur, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. C'est peut-être le premier environnement à l'intérieur que je fais comme ça. C'est cool, hein. Putain, c'est cool. Un rat. Même les rats sont super bien faits, quoi. Ils sont pas allés de ma mort. Thank you.
Moi je fais quoi là? Ah. J'entends déjà les serpents, j'aime pas ces saloperies. Je te vois. Voilà. Hein, saloperie de serpent. J'aime les reptiles, j'aime bien les serpents, même en vrai quoi. Franchement, c'est un truc qui me dérange pas, mais dans le jeu là. Sont atroces quoi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Voilà, ça doit être pour repartir. On va descendre par là. Voilà, ça a l'air d'être mon objectif. Derrière ça, ok. Vous voyez, quand je disais qu'il n'y avait pas assez d'ennemis, là par exemple, on est en recherche, mais ça aurait été bien de nous mettre quelques gars, quoi. Qui protègent quelque chose, quoi. À part leur camp de à la con, là. Mais par contre, les environnements sont chouettes, hein. Regardez, là, on a un truc qui a été détruit, du coup, la jungle a pénétré dedans. Oh merde, je me suis cassé la gueule. C'est pas grave. On a le droit à un truc vachement chouette. En tout cas, moi j'apprécie. Trouver l'entrée de la caverne. Ah. Merde. Les hommes de façon là. Eh, normal mon gars, tu croyais quoi? Tu croyais que ça allait être tout simple comme ça ou quoi?